Bonjour à tous, c'est Camon, j'espère que vous portez bien et on se retrouve sur mon petit jeu de bonheur, mon jeu favori évidemment du moment, Factorio, et on retourne. Oui, alors si déjà je t'articule mal, ça va mal se passer, mais c'est pas grave, nous sommes lundi matin, j'aurais dû tourner la veille au soir, mais bon, quand on est fatigué, un streamer ne tourne pas, je me pose, et là on devrait être bien. On devrait être bien, tellement bien que... Hier matin, un dimanche, vous vous rendez compte, on a débloqué des technologies, la bleue, la violette et la jaune. On a toutes les sciences pour aller vers la fusée. Là, on peut se laisser aller et on devrait gagner une partie. Mais bon, on va jouer en vrai let's play, vous le savez, et de façon détendue. Et les aliens, pendant ce temps-là, ils meurent. Oui, donc j'ai rajouté des lasers, j'avais oublié Honor ici. C'est bon, au côté chargement des guns. On a donc annexé cette frontière-là au dernier live pour avoir le cuivre en priorité. Du cuivre ici aussi qu'on va extraire bientôt. Beaucoup de fer ici, ça serait bien parce que finalement, je trouve que ça pompe bien. Et surtout en charbon, ça descend pas mal aussi, ça m'inquiète un peu. Mais en même temps, j'en ai profité en off. J'ai monté ma puissance. Excusez-moi, c'est le café du matin, décidément. C'est ma puissance électrique. Je peux aller jusqu'à 0,5 gigawatts. Et ça ne rigole plus. D'ailleurs, on va prendre un café. On va admirer un peu les courbes de puissance. Ah, finesse. On va se mettre sur quoi? Une minute? Voilà, tranquillement. Impec. Donc là, ça pollue. Ça ne rigole pas. Et du coup, bah, les aliens, même de moins en moins... Leur planète est souillée. D'ailleurs, ça pollue là-bas aussi. Hein. Les extracteurs de minerais polluent, dis donc. On va en récupérer quelques-uns qui n'ont plus de ressources. On va nettoyer un tout petit peu les bordures. Ok, ça c'est déjà fini. Bah, écoute, on va juste enlever les tapis. On va récupérer ça, c'est précieux quand même. Le temps de les refaire. Ça n'a pas été très long, hein. Voilà, ça c'est rouge, bottleneck, merci, on voit mieux. Est-ce que j'en ai encore un ici enlevé? Là, oh, des petites touches. Bref, du plaisir ce matin et au programme aujourd'hui, maintenant qu'on a tout ça, bah, on va faire nos technos. Donc on a développé le niveau 4 de vitesse des robots, on va voir ce qu'on va faire comme technologie, on ne se prise plus de rien. On va vers la fusée. Et on aura bien sûr l'enrichissement d'uranium, après on verra ça tranquillement, mais on va penser d'abord vitesse de recherche en laboratoire, évidemment, 500 fioles de chaque. Faut que ça donne, c'est parti, et ça va être un petit peu long. Oh là, on est rendu à 6 couleurs de pack de science. Impeccable. Côté caillasse, faut que je m'inquiète aussi avant l'extension. Là ça produit bien, ici on a... un coffre plein, ça c'est parfait. Et pendant ce temps-là, ça craft à donf sur les défenses. On va revenir aux cailloux après. Cailloux qui sont. Alors la pierre est là. Il me reste 179 000 pierres, c'est tout. On va laisser le système tourner, bêtement, et on va en faire un autre. Mais on aura besoin de cailloux, nous. Ah oui, ça rentre dans le bus et ils sont aspirés à partir de quel moment? À partir d'ici. C'est-à-dire qu'il faudrait que je ramène quelque chose pour arriver au hub de rangement. Oh la vache. Parce qu'on fait de la brique ici, des murs, et ça c'est pour la science militaire. Est-ce qu'on a un spot de rocher par là-bas? 6 millions 4, c'est pas mal.
pourrait peut-être commencer par ça. Mais ça va assez vite, hein, la science. Hein. Alors, on va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ça, c'est bon. On va se mettre bien en logistique. On va essayer d'aligner un peu la ligne. D'aligner la ligne, évidemment. Tac, tac. Ici, c'est pas mal. Ce qui est bien, on est rendu à un niveau, on va se laisser porter maintenant, on va plus réfléchir. Ça va être topissime. Les cailloux, du coup, oui, ce sera pour l'extension future. C'est pas mal d'avoir un deuxième centre. Des foreuses électriques. Je suis pas contre. Alors, il semble que c'est jusque là à peu près. Voilà, ça englobe bien, on voit la zone. Ici aussi, on peut en mettre un. Là, je fais pas comme au cuivre, on a le temps, on est plus stressé, le live démarre. On est heureux d'être avec vous, YouTube et Twitch. Si j'ai pas dit, d'ailleurs, c'est le 35e épisode. C'est incroyable. Non, on peut mettre même symétrique. Ah, il manque une zone. Hop. Voilà. Bon, là, il n'y a rien. Voilà, c'est pour l'avenir. Et là, il veut pas. Apparemment, il a tout. D'accord. C'est bien, il refuse quand il n'y a plus rien. On est OK. Côté poteau électrique. Bah, écoute. Tac, 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 ça c'est pas mal, on va aligner, tiens, et quand tu es là, tu électrifies tout ça, sauf celui-ci, ok, on va essayer de faire quelque chose de symétrique, là je ne peux pas, oh des petits robots. Bon, évidemment, là, ils sont un peu à la dèche. Hein. Hop, on va en mettre plein. On s'en met pas. Parfait. Les sorties de tapis. Est-ce qu'on pourrait pas faire sauter ça? On va essayer de faire sauter la falaise, après tout, elle nous gêne. Maintenant, on a la technologie pour. Et ça serait l'occasion, le temps que ça se fasse. On va faire un balanceur. De faire un truc. Tiens, d'ailleurs, le blueprint défense, oui, je peux le mettre là? Je peux le laisser là. Donc, on peut mettre un bar d'action. C'est pas mal, j'avais jamais pensé à ça. Alors, on va laisser la caillasse ici. On a combien de sorties? 1, 2, 3, 4. Parfait. On va faire une technologie logistique d'approvisionnement par robot. Je sais plus qui m'avait demandé ça. Je crois que c'est Canton 51. Je vais vous montrer quand ça marche. Et puis on va revenir sur une image. Voilà. Dès qu'on pourra, on fera sauter ça. Ça va pas être très long. Ok. Bonjour Anya, toujours là, toujours là. Mais moi tu vois, je finis mon... En fait, je suis en train de finir à fond Factorio. Et je me suis dit que quand ce sera fait, on aura de l'avance pour démarrer Mr. Prepper. Ça sera cool de faire une survivaliste. Oula. C'est bon. Ah, oh, mais c'est génial. Ça, c'est ok. En attendant, je suis où, moi? Je suis là et ce que j'ai commencé à faire pour détruire les falaises, l'installation de juste à côté, j'ai l'impression que oui. On va aller voir. Il va falloir que je travaille du coup mon magasin de Nilos. Puisque en coffre logistique, pour l'instant, on fait que du jaune et du rouge. Alors, on va se mettre comme ça.
On va démarrer Hub par Nilos. Oui, oui, on y est. Inserteur, on va vérifier qu'on a tout au niveau 2. Non. Qu'on aura la technologie tier 3 des répartiteurs, des souterrains, des tapis roulants, on le fera. Ah, tu pars bientôt, Voulou. C'est bien pour avoir ma voix quand même. Tout petit peu, bon courage à toi. Au niveau des assembleuses tier 2. Il nous manque l'usine tier 3, c'est tout ce qui nous manque. On a les modules, on a coffre jaune, rouge. Je ne vois pas le coffre bleu de logistique. Et assembleuse tier 3. C'est pas grave, on va les crafter nous-mêmes, on va pas embêter pour l'instant. À la limite, si, quand même. Voir les autres. On a dit que ça non. Au niveau d'énergie tier 2, est-ce qu'on a tout cette fois? Au niveau tier 2, on aurait tout. On va voir si. Il manque pas grand-chose ou quoi. Voilà, les arrivées sont là. On est d'accord. Ah, c'est marrant ça. Et on vérifie qu'il n'y a pas de cafouillage. Donc apparemment on peut construire enfin le tank à la chaîne. C'est vendu. Je regarde qu'il n'y a pas de conflit de bras robot parce que j'ai cru une fois voir une inversion. Peut-être que je l'ai mal mis, hein. Ok. Donc voilà, on commence à avoir enfin les trucs de réacteurs nucléaires. Les turbines, ok, les refroidissements, là, c'est bon. On pourrait voir ça. Est-ce que je peux crafter du coup des coffres logistiques? Je peux en crafter. On va s'en faire une dizaine. Il y a aussi le coffre tampon et le coffre d'approvisionnement logistique. Du coup, est-ce que j'aurai l'image de la technologie? Parce qu'il y avait un dessin. Je crois que ça expliquerait tout, ce serait ça, voilà. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en grand? Parce que quand j'ai un tampon, tout ce qui est détruit va dans le tampon. Il peut distribuer, du coup, il peut donner directement au vert ou au bleu. Le bleu, c'est un coffre de demande. Il récupère directement du coffre rouge, c'est ça, du craft ou du coffre de tampon vert. Coffre en pont. Le coffre d'approvisionnement logique, lui, il donne à tout le monde. Le violet. Donc l'idée, si on fait un rechargement par train à un outpost, il faudra être des coffres violets à l'arrivée de la gare, on décharge tout, et de là, les robots, paf, ils travaillent, ils vont donner au jaune, au bleu, au vert. Que le rouge, c'est juste pour les sorties d'usine des crafts. Donc là, personne ne lui donne. Ok. Tout le monde donne à la demande, au bleu. Le moins évident, c'est donc le coffre en tampon. Demande des objets spécifiés pour les rendre disponibles pour les demandes logistiques personnelles. Ah, pour moi, pour des constructions automatisées. D'accord. Écoute, hein. Nouvelle techno. On va aller encore un peu plus vite en recherche. On va débloquer ce fois avec le son jaune. Pouf, c'est reparti un petit coup. Et après, on va travailler les rayons laser. On va retourner aux explosifs de falaise et on va les automatiser avec les robots. Ça va être le côté fun. Hop, 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 hop. Alors, en fait, il a besoin de trois trucs. Et j'ai pas beaucoup de place. Ce qu'on pourrait faire... Il a besoin de grenades sans coffre logistique rouge. Il a besoin de barils vides et d'explosifs. Sans logistique rouge aussi. Et les barils sont en logistique aussi, dis donc. On va enlever un frein. Hein. Je sais pas, on va y dire parfaitement 200. On s'en moque. Donc apparemment, les robots pourraient aller chercher dans les trois fournitures. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ça.
Puis on va se mettre là-haut. Voilà, on va mettre notre petite usine ici. Avec un coffre de sortie, évidemment, au réseau logistique, donc en rouge. Tiens, on va même mettre un peu plus à l'écart. Avec un petit bras bleu, le luxe, un peu d'énergie. On va lui donner le pattern, donc on veut l'explosif de falaise qui rentre dans la logistique pour les robots. Excusez-moi. Et du coup, paf, tiens, on va le mettre là. On va lui demander 1, 2, 3. On peut mettre les 3. C'est vrai. Alors, est-ce que je peux faire sur un seul? Oh, on peut faire sur un seul coffre. J'avais un doute. Donc, je mets un coffre. Bien. On va mettre un petit bras. Hop. Et on va demander, du coup, on a dit qu'il fallait... qu'on se trompe pas. Baril d'eau. Des barils. Je sais pas, on va demander 20, 30. Ça, on est ok. On va demander des explosifs. 50. Et il nous faut des grenades. Les grenades, c'est en militaire. Donc, ils sont en train d'amener les drones. Ça y est. Ils sont en train d'alimenter le coffre de demande. Et les grenades. Paf. Voilà. Donc. Ils sont dans la zone logistique, donc les robots obéissent et ils amènent au coffre bleu. Et nous, du coup, on va alimenter tout ça. Et on va mettre un peu de lumière. Et puis oui, on va connecter au réseau. C'est parti ou pas? Oui. Et ça marche. Et du coup, on voit les drones qui travaillent entre les explosifs, qui alimentent en boucle. À moi de donner une limite, hein. Par contre, voilà, on va donner ici, pas besoin de dire au bras. Et maintenant, on est parti en production automatisée au réseau logistique, c'est top. Voilà, il consomme. Donc, il ressort du robot port et on va chercher l'explosif. Et du coup, ça va être pareil pour les grenades. Il retourne au robot port. On a quelques drones désignés du coup pour ça, c'est excellent. On va rester en vue et ils repartent. Explosif et un pour les grenades, c'est fait. Et un pour les barils. Ben voilà, c'est comme ça que ça marche par drone. Mais ça consomme de l'énergie, donc à grande échelle, c'est un petit peu embêtant. Et on voit qu'on a une petite pointe, presque 300, on dépasse 300 mégawatts. Hein. Oui, il y a une grosse bataille. Parfait, ça c'est réglé. Maintenant, on va continuer ici un peu nos pierres. Ouais, on va pouvoir les connecter aussi. Ça serait bien. Voilà. Avec un peu de lumière, ça serait tellement plus agréable. Voilà. On va mettre ça comme ça. Vous pouvez pas construire sur de l'eau ? Ah ! J'aurais oublié de boucher un endroit. Paf. C'est pas grave, ça marche. Parfait, là ça va arriver. Et du coup, nous on veut fabriquer en boucle nos futurs murs. Il nous faut des briques. Du coup, on va partir sur les fours électriques. Est-ce qu'on va se faire un gros réseau? Je sais pas. C'est pas utile. Pas utile, c'est pas utile. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose un peu plus? Ouais, ça fait serré après, hein. Ça en fait combien? 4, 5, 6, 7, 8.
va partir là-dessus. C'est un balancer, donc c'est équilibré. On va juste prendre deux sorties. Oui, évidemment, si je fais ça, j'oublie un détail. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, et c'est peut-être pas ce qu'on veut comme ça. On va refaire autrement le plan. Voilà. C'est peut-être plus sympa comme ça. On est dans le confort de la technologie. Ça suffira amplement. On va exciter un peu les voisins avec la pollution. Allez, on refait des murs. C'est important. Donc là, c'est les briques. Première étape. Paf. Et après, on va faire le réseau logistique des pierres, des murs, des remparts. Du coup, paf, 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 paf. Ça prend le milieu, c'est parfait. On est bon. Donc ça, c'est ok. Que font les robots? Ah bah, ils arrivent, mais on a un problème de logistique. De toute façon, on est un peu loin. On va continuer à mettre un robot port. Et je n'ai plus à gérer les falaises, puisque dès que c'est demandé à exploser, bah boum, on sera heureux. Voilà. Et on va se faire un luxe. Ouais, allez. On va mettre un petit radar là. Une petite place. C'est parti. Donc les briques sont en cours. Et les remparts, à partir des briques en pierre, on recuit ça. C'est comment? Non, c'est à partir d'usine, normal. Il ne faut pas gêner non plus. On va faire comme ça. Nos petites briques, c'est bon. Pareil, ça va ressortir du coup ici. En technologie, les labos, c'est fait. On continue. Automatisation tier 3 serait quand même bien pour les magasins de Nilos. C'est parti. Et on va remettre nos bras. Donc ici, c'est l'arrivée des briques. Est-ce que le tapis sera assez rapide ou est-ce qu'il faudra pas que je mette plutôt des bras jaunes? On va voir. Tant que je ne suis pas au tier 3, on va se poser la question. On va voir comment ça alimente. Sinon, ça ira pas jusqu'au bout, j'en suis sûr. Les falaises, on les avait oubliées. Merci les drones. Un truc que j'avais testé dans les premières parties, ce que j'étais très surpris, c'est les têtes nucléaires. Quand t'es à pied, les tire pas à proximité, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et on va se mettre là. Et du coup, on a plusieurs millions de pierres, on est heureux. Et on avait dit qu'il manquerait... Voilà. Puis là, on va se faire un pattern. Paf, on va mettre un bras vert qui capture beaucoup. Puis on va faire un stockage comme ça, tampon. Aucune limite. On va faire un petit circuit serpent.
on pourrait repartir. On les remplira jamais, hein. Mais bon, tant qu'il y a de la caillasse, ça marche. On va mettre une alimentation potable. Ça serait bien. C'est quand même bien de pouvoir réfléchir tranquillement à ces patterns, ne plus poser quoi que ce soit. Ça c'est bon, et on va faire une petite connexion. Bah ouais, il y a le réseau qui est là. Voilà, franchement. Et pourquoi pas penser à l'avenir. Quelques robots ports encore, j'en mets un paquet, je sais. Ça m'a l'air bon, tout ça m'a l'air bien. Et sauf un truc. On avait dit qu'on voulait redonner quand même. On va essayer de le couper. Hop, allez, s'il te plaît. On va garder une sortie pour alimenter le hub. Mets-toi à l'endroit. Voilà. Et ça, c'est bon. Du coup, les briques sont prêtes. Bah, il manque quoi? Les recettes. Oh, punaise, il faut que j'y aille. Ah, il n'y a pas le choix. Parce que si je fais ça et que je demande un mur, évidemment, j'aurais dû le demander avant. Je copie. Est-ce que je peux le faire comme ça à distance? Oh oui, ça marche. Ça, c'est bien. Et c'est parti. Ça y est, on a nos premiers murs. Vu comment ça fournit derrière. On va passer au bras bleu. Pour bien alimenter. On va voir si ça suit. Et on a la danse du coup des serpents. Voilà. Et c'est parti pour remplir. Et on voit que le bras en prend plein d'un coup. Bonne journée à toi, Anya. Ciao. Automatisation tier 3, c'est ok, c'est cool. On va débloquer le tier 3, les tapis qui vont ultra vite. Ça va encore consommer pas mal, le bus va pigner. Hein. Donc ça c'est ok. Et nous on avait dit qu'il fallait amener la pierre. Ouais. Jusqu'ici à peu près, circuit rouge. Si je passe par là. Presque plus de passage, hein. c'est compliqué. Ça en fait 3 là, c'est chaud. C'est chaud. Ici, on aura la place de reloguer proprement. Même là, ça serait pas mal. On va faire ça. On va voir. On va se faire un petit blueprint. Comme ça,
risque que la pierre va nous lâcher et que ça va être un problème énorme. Et alors, on va reculer jusqu'où? Il faudrait passer au-dessus. Ça, c'est bon. Tout ça pour des cailloux. Hein. Comme je dis, on va à notre rythme. Alors, logistique tier 3, c'est bon, c'est ok. Une technologie qui ne sert pas, c'est liquéfaction du charbon, technique de transformation du charbon en produit pétrolier. Ça n'a plus de pétrole, on a cette solution-là. On va la débloquer quand même. Ah. Oui, après ça le fait pas. Après ça le fait pas, c'est pas joli. Attends, non, annule. Trop tard. On va monter d'un cran si on peut. Même de deux, tiens. Et c'est reparti. Je suppose que le chemin, je veux le monter jusque là-haut. Ouais, apparemment. Descendre mon tech. Faudrait descendre. Si je fais ça, si je longe là, paf, 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 paf. En tout cas, ici, ça marche du tonnerre. Éviter les conflits et on part. Ok, là on n'a rien. Voilà, on est connecté, c'est bon. Le temps qu'il fasse ça. Alors nous on est là. On va revenir au magasin, puisqu'on a la technologie maintenant de logistique tier 3. Et on va bien sûr rechercher l'uranium, le combustible nucléaire, pour le futur. Et alors le hub de Nilos. Donc tier 2, on a tout. On est parti pour faire l'évolution. Alors attention, c'est vers le bas. Est-ce que c'est bon ? Impeccable, le lubrifiant est bien connecté, on va avoir du tier 3. C'est parti. Et ça c'est chouette, je regarde qu'il n'y a pas de problème dans les blueprints, non. Voilà. On va l'enlever et on va remonter pour dire combien on en veut puisqu'il en faudra des tonnes. On va bouffer du fer. Alors le coffre est ici, tu en as programmé combien? 50, on va dire 200. Hein. Au moins, allez, 300. Convoyeur souterrain minimum. Les répartiteurs, ils sont rangés. Il te manque quoi? Des circuits rouges. Ça, je comprends pas pourquoi il bloque.
lui, il marche très bien. On va monter le nombre aussi. Alors, on a un souci ici. Pourquoi ? Il reçoit les engrenages, ça c'est bon. Qu'il a un circuit vert dans la main. On va l'enlever. Il était bloqué de mémoire, d'accord. Voilà. Ça, c'est parti. Et maintenant, ici, on va en demander... On va démarrer à 3000. Ça va être très long, ça va bouffer du fer. C'est OK. C'est pas mal. Pas mal du tout. Donc niveau 2 en énergie, c'est fait. Niveau 2 en inserteur, c'est fait. Et donc en assembleuse, on avait fait... voilà, on l'a, l'assembleuse tier 3. Oh, c'est cool. On y va. Alors, on se remet bien en radar. On tourne. Est-ce que je suis sur bien les bonnes entrées ? Au niveau des tapis, ça a l'air d'aller. Voilà, et tout de suite, on vérifie qu'il n'y a pas un bins. Là, c'est propre. Il n'y a rien de revenu. Avant que les robots ne collent. Donc là, pareil, ils sont en train de se battre, mais on ne sait pas pourquoi. C'est full, 24, il en manque combien ? 20, ah oui, ok. Retraitement du combustible nucléaire, c'est fait. Diffusion des modules, on verra plus tard. Ça, c'est avec les modules de vitesse, tout ça. C'est pour diffuser à plusieurs ensembles. C'est une balise, voilà. Ça peut être mieux que d'en mettre partout. Peut-être mieux, mais finalement, ou c'est un cumul avec le buff des machines, je sais pas. À tester. Voilà. Et on a enfin le tier 3 qu'on a mis à une limite de 100. Bon, on va le monter à 300. Voilà, ça c'est bon. Ça marche bien. Les coffres logistiques, du coup, c'est pas encore fait. Et les modules, c'est fait. On va partir en plus, on va améliorer le niveau 3 de freinage des trains. Quoique, qu'elle transporte des robots ouvriers, augmente le nombre d'objets que les robots logistiques et de construction peuvent transporter, c'est prioritaire. C'est top. On a une très belle attaque, attention! Déjà mort, j'ai même pas le temps de venir, les mecs. Bon bah c'est cool. Au niveau de la caillasse, j'aimerais bien finir ça aussi. Parce qu'on sent bien que la pierre... voilà, 164 000... Ah, pourquoi ? Parce que je n'ai pas la logistique qui suit. Et ça, il faut faire attention avec. Mais maintenant qu'on casse les falaises, eh ben, on dit crotte. On dit crotte au système. Et ça, c'est bien. Alors, il va jusque la falaise là. Je peux mettre ici normalement et ça va marcher. On va voir si je me trompe. Voilà, on va les laisser faire. Et notre réseau se remplit de remparts. On est rendu à combien ? 16 sur 48. Parfait. Est-ce que je peux monter comme ça ? Apparemment, oui, c'est bon. Voilà, on va continuer sur le fer. Choper ça, tac, tac, oui.
tant que j'arrive avec ma connexion, ça devrait être bon. Hein. Et après, on travaillera dans le prochain épisode, du coup, le Spidertron. Ça veut dire qu'on va travailler des missiles explosifs, on va commencer à faire les stocks, ça serait bien. Avant d'arriver à la technologie ultime de combat contre les aliens. Voilà, là, c'est vraiment pour le confort de ressources. Hop. Tiens, c'est marrant, ça. Alors, peut-être pas tout ça, mais... À quel niveau j'aimerais arriver? Il semblerait que ce soit là. On retravaillera les tapis après. J'ai perdu mon marqueur. Il est là. Écoute, on va le mettre là. Ça consomme des tapis roulants puisque je fais du bleu. Ouf. On y est presque. Ouais, là on va faire sauter. Est-ce qu'on pourrait pas avoir hop. Du coup un tout petit convoyeur souterrain express. J'en veux que 10. On va faire ça. Je programme. J'insiste que j'en veux que 10. Je valide. Donc il n'y a pas de coffre logistique. On va voir ça tout de suite. On va lui demander. Allez, mets-toi bien. Clac. En réseau logistique, c'est pareil que pour les machines. Là, c'est fait. On peut enlever les infos pour voir si tous les coffres sont bons. Et si on veut pas s'embêter. On peut demander. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. On va vérifier que tout est bon dans les hubs. Est-ce que c'est une bonne idée d'accélérer? Je ne sais pas. Voilà, ça va bosser un peu. Tout n'était pas à jour. Et donc, normalement... Ouais, je les ai. C'est bon. Ça commence à être... ouf. Si on va se laisser... Où est-ce que ça bloque ici? On va devoir attendre que c'est un drone qui amène. Qu'est-ce qui se passe en combat? Il arrive. Ça pique plus. Oh là 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 là! Et ça tient! J'ai rien. Donc on va y retirer un bleu, ça va beaucoup plus loin. Paf, 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 paf. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Voilà. Ils vont arriver comme ça. Là, on est bon. Et je me suis pas planté ici. On va continuer le réseau. Là, tiens. On va serrer un petit peu. Non, je me suis mis un peu trop bas. On partait de ce pattern ou pas? On partait de là, j'ai rien dit. Et on alimente enfin en caillasse, c'est cool.
Bon, là, par contre, hop. Et la pierre va couler à flot dans le hub. On n'aura plus de pénurie. Et ça, c'est bon. Transport d'ouvriers robots augmenté, niveau 2, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On va commencer à débloquer les modules vitesse tier 3. Voilà, 300 flasques. Ça aussi, c'est énorme. Et dans la recherche, du coup, hop. Eh ben, ça bosse. Écoute, YouTube, on va se quitter là-dessus. On va faire une sauvegarde. On va juste regarder le hub qui doit pleurer. Oh, oui, le fer, ça consomme à mort, là. Vu ce que j'ai demandé en niveau bleu. Ça y va. On pourrait peut-être s'amuser à faire un train pour amener du fer en renfort pour fondre ici. Il reste encore combien de machines ici? On pourrait faire une gare de dépôt ici. Ça pourrait être une idée. On va voir ça au prochain épisode. Les missiles et un petit train, ça me plairait bien. Petite sauvegarde pour toi, YouTube. Avec les paramètres du son qui remontent, tu connais le principe des vignettes. On se retrouve dans une petite minute Twitch.